Yeah. Bonjour à toutes et à tous, c'est Samy, c'est GT, j'espère que vous aimez aujourd'hui. On se retrouve pour le 20e épisode de Clash of Aventure. Et oui, déjà 20 épisodes de cette série. Donc vous pouvez voir un petit peu où en est notre HDV7. Il a un petit peu avancé, mais j'ai notamment toutes mes défenses anti-aériennes qui sont améliorées au niveau 5. Du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va s'améliorer? Eh ben c'est une bonne question. Et je pense qu'on va s'améliorer des petites Tesla. Voilà, on va s'améliorer les petites Tesla. Les deux petites Tesla. Parce que je les ai pas encore fait, donc du coup ça pourrait être assez sympa de se les faire. Et on va, je pense, s'améliorer une petite tour d'archer. Écoutez, on va s'améliorer cette petite tour d'archer. Et dans le laboratoire, on va terminer notre labo en s'améliorant. Ok, non, on va pas du tout terminer le labo, mais on va s'améliorer les sorts de rage au niveau 4. Du coup, je vous avais dit la dernière fois qu'on se ferait une attaque au dragon, une attaque au cochon. Bah, vous en faites pas. Là, j'ai une compo barbare archer. Et juste après, j'ai une compo dragon qui se forme. Et après, on se gèmera la compo et on se fera une petite compo de cochon. Donc écoutez, on est parti directement, on va essayer de se trouver des petites ressources assez sympathiques pour farmer comme d'habitude. Vous avez l'habitude en tout cas depuis 20 épisodes maintenant, donc du coup ça fait plaisir et regardez, on tombe directement sur un bon 300 000 d'or et d'élixir, ce qui est pas mal. Bon, il n'y a pas beaucoup d'élixir noir malheureusement, mais ça reste quand même pas mal. Maintenant je pense que je vais un petit peu farmer également de l'élixir noir pour pouvoir améliorer mon petit roi des barbares, parce qu'il n'est encore que niveau 3, donc il lui reste encore à passer niveau 4, niveau 5. Donc il y a encore de quoi faire, vous inquiétez pas, on va avoir encore quelques petits épisodes en HDV7, et après on se passera à l'HDV8, bien évidemment, mais en tout cas on va avoir encore quelques petits épisodes en HDV7. Bon, je pense qu'il n'en reste pas non plus 50 000, clairement, mais faut quand même les faire, faut quand même se le faire. Donc hop, on va s'en aller directement, on aura pris 323 000 de chaque. Donc du coup, hop, ça fait plaisir, on récupère ça, on a 10 000 élixirs noirs. Bon, peut-être qu'on va pas s'améliorer ça, et on va plutôt s'améliorer le roi niveau 4. Hein. Voilà, on va se faire ça directement. On va se faire ça, et tac, juste après, hop, on va se mettre une compo presque full cochon, je pense. On va se mettre 5 sorciers, voilà, très bien, on va se mettre 3 sorts de soins, parfait. Écoutez, maintenant on va gémer tout ça directement, hop, on va gémer ça. On a le roi du coup, enfin on n'a pas le roi, on va essayer de se trouver de l'élixir noir. Écoutez, pour une fois, on va, ou de s'attaquer à des plus gros villages, on va voir ça, on va voir sur quoi on peut tomber. Écoutez, je ne sais pas à l'avance sur quoi on peut tomber, même si je suis honnêtement assez bas, donc on va voir un petit peu si à ce moment on va tomber sur une bonne base avec beaucoup de ressources qu'on va attaquer direct. C'est possible aussi, même si bon, c'est clairement pas garanti, c'est clairement pas garanti ça, mais écoutez, par exemple ici il y a du 500 000, en vrai c'est faisable, hein, c'est faisable. Genre on envoie les dragons de ce côté, hop, on va envoyer tous les dragons de ce côté, et on va s'envoyer un sort de rage par ici directement sur la première anti-aérienne, hop. Voilà, let's go, on va s'envoyer tout ça, hop, après on va s'envoyer un deuxième sort d'orage là-haut, directement. Voilà, ça continue de très bien progresser, et on va s'envoyer le dernier sort d'orage par ici, directement, hop, comme ça, ça va progresser, et ça va tout défoncer. Très clairement, ça va tout défoncer. Voilà, il n'y a plus d'anti-aérienne, il n'y a plus grand-chose pour taper nos dragons, il reste deux tours d'archer, une tour de sorcier, une petite Tesla. Bon, ça va pas faire grand chose face à tous les dragons qui restent, hein, clairement. Ça va bien défoncer le village, ça va bien tout prendre, ça va bien faire le 100%. Et ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on veut. Du bon perf comme il le faut. Voilà, ça va se faire directement en moins d'une minute. Ou un petit peu plus d'une minute, hein, du coup. Il reste également des petites cabanes, vous voyez, dans les coins. Bon, écoutez, c'est pas si grave que ça, mais il reste des petites cabanes, ça va être un petit peu plus long, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, directement, on attend que ça pète tout ça. Il reste juste la cabane ici, la cabane qui est sur le côté gauche, qu'on voit pas ici sur l'écran. Si je le bouge, ah bonjour, voilà, 99%, on a tous nos dragons. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste 7 dragons, donc c'est plutôt pas mal. Il nous en reste quand même pas mal, hein. Des bons petits dragons qui font plaisir. Encore, je me demande si là-haut, il n'en reste pas 3. Il n'en reste 3, donc il en reste 8. Il nous reste 8 dragons sur les 10 qu'on avait à la base. Moi, je dis c'est quand même plutôt pas mal. Moi, je dis c'est quand même plutôt pas mal. Et donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Let's go. Du coup, le petit 100% qui est fait, on s'est fait très très plaisir. On s'est fait très très plaisir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, tiens, d'ailleurs, c'est pas très très...
à jour, mais c'est pas grave. Hop, voilà, on va se mettre ça comme ça. Hop, voilà, on se remet tout ça directement. Ça, on n'a pas besoin. Du coup, hop, moi j'ai mis ça, moi j'ai mis le petit cochon. Et on va repartir directement, écoutez, pour une, du coup, troisième attaque. Troisième attaque, du coup, là, on a des cochons. Alors, ils sont niveau 1, donc à relativiser. Et ici, on est sur vraiment beaucoup de ressources. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais attaquer de ce côté. Hop, je vais attaquer de ce côté. Je vais envoyer un petit peu une bonne grosse ligne de cochons en mode un peu full bourrin, quoi. Voilà. On va se faire ça comme ça. Hop, ici, on va envoyer un petit soin ici pour éviter qu'il se fasse rebuter par le roi. Hop, si j'envoie tous mes sorciers, est-ce qu'ils vont péter le roi? Est-ce que c'est une bonne strat? Je ne sais pas, mais en tout cas, les cochons, mon pote, ils... Voilà, les cochons, ils se font plutôt plaisir, hein, il n'y a déjà plus de défense. Donc, let's go. let's go. Hop, boum, directement ici. Ouais, ça pète quand même bien le roi, même si les sorciers se font tuer en un coup. Il nous reste beaucoup trop de cochons. Voilà, du coup, le 100% qui s'est effectué directement, ça fait plaisir. Voilà, le petit 100% qui s'est effectué directement. Je vous ai cut un petit peu la fin de l'attaque, en tout cas, ça servait un peu à rien. On a compris que ça allait défoncer tout. Bref, du coup, on reforme tout ça et on va juste voir la MDO. Voilà, on va juste voir la MDO, faire une petite attaque. Écoutez, on peut s'améliorer une réserve d'or. Moi, je dis, ça peut être pas mal, mais on peut également s'améliorer les bébés dragons. On va s'améliorer les bébés dragons. Ensuite, bon, c'est que les trucs qui coûtent bien trop cher. Du coup, on va s'améliorer. On va pas s'améliorer des trucs franchement de ouf. On va se faire une attaque quand même. On va essayer de. Voilà, on va se faire une petite attaque. Écoutez, par exemple, ici, ça c'est une bonne attaque à faire aux archers. Hop, let's go, des petites bombes comme on aime. Hop, let's go, des petites bombes comme on aime. Hop, hop, hop. Tac, tac, du coup, hop, ici, on remet des archers. Voilà, let's go, et hop, après on envoie le reste tout autour, dans une petite gargouille, ici, hop, en fait ce qu'il faudrait ici, ce serait péter le petit poste de garde, mais bon, je pense que ça va être un peu chiant, quoi, hop, alors, en plus c'est un MDO5, hein. C'est même pas un MDO4, c'est un MDO5, ici, qu'on a, donc bon, quand même, on a un MDO5, c'est pas de la merde, ou la Tesla, j'avais pas pensé à un truc qui s'appelle la Tesla. Où va-t-elle être? Où va être placée la Tessa? Ok, elle est là. Hop. Fallait qu'il y ait une mégamine. C'était sûr, en fait. C'était sûr. Mais non. Est-ce que je vais faire 50? Je vais faire 50, mais de très peu. D'accord, donc je suis passé à ça de la merde. À ça de la merde, mais à ça du perf aussi. Ok. Ok, il me reste une gargouille pour faire tout le tour de la base. Allez, on attend directement. Voilà, on attend. Lol. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper l'attaque. Enfin, on se retrouve une fois que l'attaque est terminée, quoi. Allez, à de suite. Voilà, directement, du coup, on a fait 75%, ce qui est en vrai pas trop mal. C'est en vrai pas mal du tout, du coup, la gargouille, elle a bien pu gratter. Elle a bien pu gratter. Ici, ça... Ok. 83%, il va pouvoir me défoncer ma base parce qu'il n'y a plus de défense. Let's go, merci. Il a le héros. Voilà, un MDO5 qui tape un MDO4 qui vient de passer. C'est pas juste. C'est pas juste, frérot. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, là, il va me défoncer. Let's go, ça fait plaisir. Bon, dans tous les cas, on n'avait pas gagné grand-chose. Du coup, qu'est-ce qu'on va s'améliorer? On va s'améliorer le petit piège à pousser ici qu'on va remettre à niveau directement. Et écoutez, en attendant, du coup, voilà les potes, j'espère que ce 20e épisode de Clash of Aventure vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait pour ne pas rater les prochains épisodes et prochaines vidéos sur Clash of Clans. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo, à la partager, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description et sur ce, c'était JD. Et moi, je vous dis bye tout le monde.